Assalamu alaikum. Donc, on continue donc, nos vidéos concernant des cours qui attaquent donc, la notion de fonction en C et en C++. Donc, on va prendre un exemple donc, concret de développement d'une fonction de calcul du factoriel d'un entier. Donc, un petit rappel donc, sur la notion de factoriel. Donc, le factoriel d'un entier est noté n factoriel. La relation mathématique du calcul du factoriel d'un entier est la suivante. Donc, on multiplie ou bien refait plutôt la multiplication de notre entier. Donc, c'est le n que multiplie n moins 1, que multiplie n moins 2, que multiplie 2, que multiplie 1. Donc, des exemples. Le calcul du factoriel de 5. 5 que multiplie 4, que multiplie 3, que multiplie 2, que multiplie 1. Donc, il s'agit de la répétition de la multiplication avec décrémentation ou bien la répétition de la multiplication avec incrémentation. Un autre exemple exceptionnel, si vous voulez, le factoriel de 0, c'est 0, le factoriel de 1, donc ça c'est une notation mathématique, donc le factoriel de 1, c'est 1, donc le factoriel maintenant, je ne sais pas, de 4, c'est 4 que multiplie 3, que multiplie 2, que multiplie 1. Et par suite, le factoriel de moins 4, c'est moins 4 que multiplie moins 3, que multiplie moins 2, que multiplie moins 1. Autrement dit, donc, c'est en fin de compte, donc, puisqu'il s'agit d'un entier négatif mais pair, donc le factoriel de 4, de moins 4, il sera égal en fin de compte au factoriel de 4. Donc, le moins c'est plus, le moins que multiplie le moins c'est le plus que multiplie le plus, donc on aboutit à un résultat donc positif. Un cas exceptionnel, c'est le cas où l'entier en question est négatif mais impair. Donc le factoriel de moins 5, c'est moins, entre parenthèses, le factoriel de 5. C'est-à-dire si le factoriel de 5 vaut 120, alors le factoriel de moins 5, c'est moins 120. Alors, ce qu'on souhaite développer, c'est une fonction de calcul d'un voile du factoriel. Une fonction que l'on souhaite appeler, ou bien au moment de son appel, on souhaite l'appeler par son nom factoriel. Une fonction que l'on souhaite lui transmettre. Au moment de l'appel, on souhaite lui transmettre par copie, par valeur, donc c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'utilisation d'un mode de transmission par copie ou bien par valeur, on souhaite lui transmettre donc un entier, que ce soit positif, négatif, nul, pair ou bien impair. Notre fonction va renvoyer en fin de compte, donc va effectuer en premier lieu le calcul du factoriel et il doit renvoyer en fin de compte donc, le factoriel de cet entier. C'est-à-dire, si une fonction, on lui transmet par exemple 0, il doit renvoyer 0. C'est-à-dire, le factoriel de 0, c'est 0. Si on lui transmet 1, donc le factoriel de 1, c'est 1. Si on lui transmet par exemple une valeur, une autre valeur, donc un entier en général, que soit cet entier soit nul, soit positif, soit négatif, soit pair ou bien impair, notre fonction donc, doit effectuer donc, le calcul du factoriel de l'entier en question. Il doit renvoyer par suite. Hein, ce factoriel. Alors en premier lieu, on va donc écrire notre fonction. Donc, dans le cadre d'un programme C++, donc faisons appel donc, à la bibliothèque. Donc ça c'est un programme principal dans lequel je vais développer la fonction factorielle. On va déclarer la bibliothèque InnoString, l'espace de nom STT. Et juste après, on va développer formellement notre fonction, donc qui sera dénommée factorielle. On va la déclarer avec un paramètre formel entier, donc qui lui sera transmis par valeur ou bien par copie, et qui va représenter donc l'entier auquel donc on souhaite calculer le facto 1, le factoriel. Donc un entier dénommé par exemple formellement entier et notre fonction doit renvoyer en retour, donc par exemple si on lui transmet pardon, dans l'entier entier la valeur 1 ou bien 1, la fonction doit renvoyer 1.
2, il doit envoyer donc 2 qui multiplie 1, c'est-à-dire 2. 3, il doit envoyer 3 qui multiplie 2 qui multiplie 1, c'est-à-dire 6. En fin de compte, la fonction, il va recevoir un entier, il va renvoyer par conséquence, ou bien en retour, il doit renvoyer un autre entier qui correspond au résultat, qui correspond au factoriel de l'entier transmis dans le paramètre entier. Dans le bloc, si vous voulez, de la fonction, dans le bloc de la fonction, notre fonction aura besoin, donc en plus du paramètre qui lui sera transmis par copie ou bien par valeur, il aura besoin d'un compteur, d'une variable locale sous forme d'un compteur entier, vu qu'il s'agit de la répétition de la multiplication avec décrémentation ou bien avec incrémentation. Donc nous aurons besoin d'une variable locale, i, en tant que variable, qui va jouer le rôle d'un compteur d'une boucle for, de type int, bien évidemment. Nous aurons besoin d'une variable auxiliaire qui va représenter donc le résultat qui sera renvoyé en fin de compte par notre fonction factorielle. Donc le résultat sera renvoyé en fin de compte au niveau du f. Donc avant tout, on doit prendre, si vous voulez, donc avant d'entamer, si vous voulez, la boucle de répétition de la multiplication avec décrémentation ou bien avec incrémentation, un cas exceptionnel, c'est le cas où l'entier transmis vaut précisément, par exemple, z0. Donc un test avant d'entamer dans la boucle de calcul, un test du cas exceptionnel. Si l'entier transmis à notre fonction vaut, par exemple, 0, donc d'ores et déjà, la fonction doit retourner. Donc l'instruction return, ça correspond au retour final de la fonction. Donc le cas exceptionnel où l'entier transmis vaut précisément 0. Donc déjà la fonction doit renvoyer la valeur z0 et par suite se débrancher de la fonction factor 1 factoriel. Donc déjà, si l'entier transmis vaut exactement 0, la fonction doit renvoyer 0 sans effectuer donc de cas 1 de calcul. Le cas échéant, on va entamer donc le calcul par boucle. Le f qui correspond au résultat final sera initialisé par 1. Donc l'initialisation par 1, c'est-à-dire l'utilisation donc d'un entier qui ne peut pas influencer sur l'opération de multiplication, ou bien l'élément neutre, si vous voulez, de la multiplication. Maintenant, une boucle de calcul, faisons intervenir donc le compteur i. Le compteur i donc, va faire un démarrage à partir de l'entier qui sera transmis par copie, par exemple 4. Et par décrémentation, à chaque itération, donc on va utiliser donc 4 qui multiplie 3, qui multiplie 2, qui multiplie 1. C'est-à-dire que le compteur, il va faire un démarrage à partir de l'entier et il va se décrémenter par 1 à chaque itération. Un cas exceptionnel, c'est le cas où l'entier transmis est un entier donc égal à négatif. Donc pour ce fait, on va exploiter sa valeur absolue en valeur d'arrivée. Et par suite, nous aurons besoin de déclarer, en plus de la bibliothèque IOSTREF, on va déclarer la bibliothèque CMAT afin d'appeler, si vous voulez, la fonction, ou bien d'appliquer, pardon, la fonction ABS, la valeur absolue de l'entier qui sera transmise à notre fonction. Ça, c'est la valeur de démarrage du compteur. Et tant que le i est supérieur ou égal à 1, notre compteur sera décrémenté par 1. À chaque itération de notre boucle, le f, ou bien dans le f, on va cumuler son ancienne valeur que multiplie donc la valeur du compteur i. Donc un scénario, si l'entier transmet par exemple 4 ou bien moins 4, donc on va utiliser 4 en général. Donc le f, il est initialisé par 1, donc 1 que multiplie 4. À la seconde itération, 4 que multiplie 3, donc il est déjà décrémenté, c'est-à-dire 12. 12 que multiplie 2, c'est 24. 24 que multiplie 1, donc il est inclus, c'est 24, et par suite le retour final de notre fonction sera le f. Le cas exceptionnel, ou bien si l'entier transmis est un entier, donc on doit penser donc au cas où l'entier transmis est négatif, donc s'il est négatif, et perd donc aucun changement sur son signe. Par exemple, le factoriel de moins 4, c'est le factoriel de 4. En revanche, le factoriel de moins 5, c'est moins le factoriel de 5. Donc, un seul cas dans lequel on doit, en quelque sorte, donc j'efface cette partie et je vais continuer. Un seul cas où on doit donc pivoter, si vous voulez, ou bien inverser le signe du résultat. Donc, je vais continuer ici. Alors, si l'entier transmis à notre fonction est négatif, ça c'est la première condition. La seconde condition, si l'entier transmis à notre fonction son reste, ou bien s'il est donc impair, c'est-à-dire le reste de sa division entière par 2,
est différent de 0, c'est-à-dire qu'il est impair. Impair. Dans ce cas, notre f, qui correspond au résultat de l'abouti dans notre boucle, notre f, ou bien le signe, si vous voulez, du f sera un V inversé. C'est-à-dire le cas où l'antitransmis est négatif en premier lieu, impair en second lieu, donc deux conditions doivent être vérifiées avant d'inverser, si vous voulez, le signe du résultat donc abouti par notre, hein, notre boucle, et par suite le retour final de la fonction, le return final de la fonction sera bien évidemment le A, le F, et en clôture donc le bloc de la, fonction. Un exemple d'appel maintenant au niveau de la fonction par exemple même, donc on suppose qu'on a déclaré dans deux entiers dans la fonction principale, un entier A et un entier B. On suppose que l'entier A sera saisi par l'utilisateur dans le cadre d'une instruction en prestige in A par exemple. Le B, on souhaite affecter au B le résultat qui sera renvoyé. Maintenant, c'est une instruction d'appel, appel de la fonction factorielle via son nom, ou bien en exploitant pardon, son nom factoriel. Et on va lui transmettre par copie la valeur de la variable locale de la fonction main, c'est-à-dire la valeur de la variable A. Donc, au moment de l'appel de la fonction factorielle, voilà ce qui va se passer. Donc, on suppose que l'entier lu dans la variable A est par exemple 4, 4 fois stocké dans A. Au moment de l'exécution de cette affectation dans sa partie droite, il s'agit d'un appel d'une fonction qui est la fonction factorielle, paramétré par le paramètre effectif ou bien la valeur du paramètre effectif A qui vaut 4 dans notre exemple. Alors, ce qui va se passer, donc copie de la valeur de A, copie de la valeur de A dans le paramètre dénommé entier, donc notre paramètre vaut à ce moment-là 4. Création des variables locales I et F, test de l'entier en question, donc 4 est égal à 0, c'est faux, donc l'instruction interne avec 0 ne sera pas exécutée. Par suite, le F sera initialisé par 1. Notre boucle donc, va boucler le F, donc c'est-à-dire 4 multiplie 3, que multiplie 2, que multiplie 1. Donc le résultat, donc 4 multiplie 12, c'est-à-dire 24. Notre entier, c'est-à-dire 4, 4 est inférieur à 0, c'est faux. 4, le reste de la division 4 est pair en quelque sorte. Faux, c'est-à-dire vrai, faux et vrai, résultat, c'est faux. Et par suite, l'instruction F soit moins F ne sera pas exécutée. Par suite, le return du F donc, va envoyer la valeur 24. À la fin de l'exécution de la fonction factorielle, donc la fonction va envoyer 24. Le 24 sera par suite, donc après exécution de la totalité de la fonction, 24 sera affecté par suite à la variable B et qui sera affiché par suite dans une instruction, par exemple, de, sortie. De même, si on appelle notre fonction, par exemple, avec Z0, donc 0 sera transmis dans le paramètre entier, création des deux variables I et F, localement dans la fonction factorielle, 0 égale 0, c'est vrai, donc l'instruction return avec 0 soit exécutée, qui sera le 0 en question. Donc, return avec 0, cette instruction de return, je le souligne, il signifie deux choses, à la fois renvoi des résultats et à la fois débranchement donc, de la fonction appelée, donc de la fonction factorielle. Par suite, notre fonction ne va pas continuer son déroulement. Donc, déjà, il va s'arrêter à ce cap-là, il va envoyer 0 au niveau de son programme appelant qui est la fonction main, au niveau de la variable de la partie gauche de l'affectation qui est dans notre cas B, et B va recevoir Z0. Un dernier cas, on suppose qu'on a invoqué notre fonction par exemple par moins 5. Moins 5 sera transmis dans le paramètre formel entier, c'est-à-dire moins 5. Moins 5 est égal à 0, c'est faux, c'est-à-dire l'instruction suivante ne sera pas exécutée. Le F sera initialisé. Bouclage, si vous voulez, de telle sorte, en exploitant la valeur absolue de moins 5, c'est-à-dire 5, le résultat qui sera calculé au niveau de F après la fin de cette boucle, c'est le factoriel de 5 et non plus le factoriel de moins 5. Alors, moins 5 est négatif, c'est vrai. Moins 5 est impair, c'est vrai, 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 c'est vrai. Par suite, l'instruction F, le soin moins F sera exécutée, c'est-à-dire le F qui vaut, par exemple, donc 120 moins appliqué à 120, c'est moins 120. Moins 120 sera affecté à F et sera renvoyé par suite par l'instruction return du résultat final F et qui sera affecté à notre variable B. Donc B vaut dans le cas où moins 5 est transmis à la fonction factorielle, c'est le résultat moins 100, 120. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et merci.